il est important pour les enfants, pour aller vers le futur, de savoir d'où on vient, de connaître nos racines, notre patrimoine, en l'occurrence musical. Pourquoi fais-tu 4 nœuds dans ta queue? 1, 2, 3, 4. Parce que c'est plus joli comme ça. Ben, notre projet est de faire découvrir aux enfants les musiques traditionnelles, beaucoup de chez nous, la Wallonie évidemment. Mais ils découvrent en même temps le respect d'écouter les autres, de travailler en groupe. Je n'irai pas au bord de la rivière. Ok, donc quand on chante comme ça, on chante bien, on ne crie pas, on chante. Et quand on chante comme ça, on chante plus bas. Les blancs s'en vont au bord de la rivière. Les blancs s'en vont, les autres resteront. Dans notre projet, l'atelier de la pirouette, on accorde aussi de l'importance à l'extrapolation, c'est-à-dire que on leur enseigne des pas de danse, des gestes, des chorégraphies, des textes aussi, mais il y a une place à la création. On a de tout temps composé et par exemple, la petite phrase se répète, mais elle change un petit peu. Et ce sont les enfants qui proposent une nouvelle couleur, un nouvel élément. Bras en l'air, bras en bas, sans fin, sans fin, saute les petits pantins. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre là? Il y a eu des propositions. Le moulinet, voilà, ok, on prend le moulinet. Moulinet en l'air, moulinet en bas, hein, ok. Le chant, la musique et la danse, ce sont des moyens efficaces et ludiques pour le développement de l'enfant, à tout point de vue. Mémoriser un texte, reproduire des pas, des gestes, exprimer ses émotions. Et comme disait Marc, un travail collectif, ensemble, travailler ensemble pour proposer un spectacle qui peut être vu, écouté et applaudi. C'est très valorisant pour les enfants. Si tu aimes bien ce rythme avec tes deux mains, tu vas jouer. Ta langue aussi est magique, c'est l'instrument de ta voix. Puis tu vas tout mélanger, ta langue, tes mains et tes pieds. Hein, de danse, de chansons, de textes du passé pour aller vers le futur. Si tu aimes bien cette musique, fais comme moi et tape les pieds.